ou le goût. Électricité dans l'air ce soir. Allô à la maison. Ça fait drôle. Allô à la maison, comme je suis allé depuis 10 ans. Bonsoir. Bon, on va commencer bien tranquille. Ça me rappelle la première émission. On a revisionné toutes les émissions l'année passée pour une cassette qui va sortir. Puis je me rappelle, l'année passée, j'avais commencé de même, bien tranquille. Puis qu'est-ce que j'avais dit, non? Chantal, qu'est-ce que j'avais dit l'année passée la première fois? J'avais dit... Oh, fait quand même un an et demi. J'avais dit... Je me rappelle plus. Tu t'en rappelles pas? Qu'est-ce que j'avais dit à la première émission? C'était tranquille de même. Première émission l'année passée. Tu me vois-tu? Tu lis-tu sur mes lèvres? C'est ça, que j'aimais pas ça qu'on me regarde proche, c'est encore pareil. Ah, puis j'avais dit, moi, me faire ramasser. J'avais vu juste. C'est d'ailleurs le thème à soir. Hein? Il y en a beaucoup qui se demandent à les journalistes qui est venu, qui est pas venu. C'est pas compliqué, personne n'est venu. Mais c'est pas grave, c'est sûr que je vais en parler quand même. Je serais bien plate de lancer ça puis de laisser tomber ça complètement. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais je vais vous répondre clairement. Il y en a que j'ai parlé moi-même. J'ai parlé à Franco au téléphone. C'est un moment à vivre quand même. C'est quelque chose... Donc, Franco, je le sais qu'en ce moment, il m'écoute, c'est sûr. Mais il y a bon caractère. Je suis sûr qu'il rit. Il doit dire, ah, le petit... Non, il ne doit pas dire le petit tabarnouche, c'est pas vrai. Il doit employer d'autres mots avec ses chums à la maison. J'entends ça voler d'un mur à l'autre. OK, je vais vous en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit exactement? Tout le monde, les bonnes raisons. Puis c'est ça, des bonnes raisons. Pas besoin de juger, là, mais c'est tout le... Mais là, on ne parle pas de ça tout de suite. Pas tout de suite. Un petit peu plus tard. On parle de printemps. Printemps est arrivé. Moyen arrivé. Hey, avez-vous vu cette semaine? Il a fait beau. Tout le monde lavait les voitures dans l'entrée de cour. Comment ça couper le gazon? Nous autres, on était comme face à face avec un voisin, là, au bord de la rue. On lavait l'auto, lui lavait son auto. Là, tu rentres pour souper, tu ressors, il y a plein de givre après. Ouais, c'est pas tout à fait arrivé encore. Hein? Ah, c'est épouvantable. Là, tout le monde est. La neige qu'on a eue cette semaine nous a pris comme. Tout le monde s'appelait. Moi, il y a quelqu'un qui m'appelle de bonheur. Il dit il neige en plein ciel. Ça baille. Tu te lèves, là, tu as l'impression que tu es retombé en plein hiver. Ah, vraiment. Vous rappelez-vous? Après le printemps, parce qu'on va attendre finalement, il n'est pas arrivé, mais ça s'en vient. Il y en a toujours un pour dire à chaque année, « Oh, mais j'étais sûr que ça pourrait être fini. » Non, ça fait 1000 ans que c'est de même, puis ça arrive à chaque année pareil. Il a neigé. Ça. La semaine passée, on a fini l'émission, on est allé au Vieux Chac à Saint-Jérôme. Ceux qui ont écouté l'émission la semaine passée, vous en rappelez. On est allé au Vieux Chac, puis moi j'avais dit de même, « On va faire un clip sur la chanson « Vide ton sac ». Une autre bonne idée rapide. C'est ce genre d'idée-là, d'ailleurs, qui fatigue mes copains là, qui m'écoutent. Je vais toujours penser que vous m'écoutez à soir. Tu peux aller chercher une carte, Franco, on t'attend. Dépêche. Tu diras à tes amis. On allait dire des affaires. Faut pas que je fasse la même affaire. OK, va chercher une carte, c'est tout. Ça, c'est qui, une carte? Nos périnées, n'importe quoi. On est parti faire le clip. Puis tu sais, c'était une idée, comme je disais, c'est ces idées-là qui dérangent parce qu'ils ont l'impression que c'est fait trop vite. Ça me fait penser quand on était jeunes, tu sais, à l'école, quand on demandait au professeur, on fait un travail, puis on demandait, ça compte-tu? Elle disait non, pfff, non, merde, on fait beau. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est de faire des affaires, bon, pour le fun de le faire, pour l'expérience de le faire, puis de nous amener un peu plus loin. Puis le clip, la semaine passée, je dis, j'essaye, je le fais. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, qu'est-ce que ça a donné?
Premièrement, les sorties, je n'avais pas fait cette année encore, pas une fois. L'année passée, vous vous en souvenez, on en a assez montré, puis je m'étais dit, Colin, il n'y a jamais rien arrivé, croisons-nous les doigts. Cette année, on va faire d'autres choses, on va aller faire les émissions dans différentes villes. Donc, la semaine passée, je me suis dit, bof, on va arriver, on aura une couple de centaines de personnes, on va s'installer comme un petit studio. On va pouvoir demander à une personne, tu connais la toune, on y fait répéter, on la filme. Ben non, il était à 4-5 000 à Saint-Jérôme quand on est arrivé. Ça a l'air que les sorties, ça marche encore. Hey, c'est épouvantable le monde qu'il y avait dans la rue, le même pattern que l'année passée. Bloquer les rues, les autos de police, on arrive là-dedans. Puis là, moi, dans ma tête, je dis, OK, faut faire un clip. Puis je pensais à l'idée en venant, à la mise en scène. Il faisait tellement chaud, il y avait tellement de monde à l'intérieur du vieux Shack. Chaud. Alain avec Alain Foster, comme Judy. Alain avec sa caméra, il vient me voir, là, c'était plein de monde. Je dis, comment on va faire ça? Il vient me voir. Et Jean-Marc, il dit, il y a deux cassettes de cassé, il fait trop humide. Il en reste combien? Une. Garde-la. Fait que là, on a fait semblant, ben du monde qu'on filmait, je m'excuse, on filmait pas. Il n'y avait pas de cassette. Mais je n'étais pas pour le dire quand il y en a 3000 qui crient. Les cassettes sont pétées, on filme pas, mais on va faire semblant. Bonne soirée, tout le monde! Mais non. Il en restait une, donc on a niaisé, on a comme répété. Là, je pensais qu'il y a des gens qui savaient par cœur. Il y en a qui savaient rien qu'un petit bout, un petit... Hey, là, on a commencé. Écoute, c'était le bordel, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Moi, j'allais avec mon micro faire la mise en scène live. OK. Là, la caméra va faire ça. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Alain, il me regardait avec des grosses gouttes dans le front. Oh, oui, c'est correct. Ah, peux-tu faire ça juste devant un fan? Oui, c'est correct. Hey, écoute, les spots étaient bas. Tout le monde transpirait. Il faisait tout. Tout le monde était là en avant. Je dis, on va faire un clip. Là, je me disais dans ma tête, oh, quelle bonne idée j'ai eue. Oh, quelle bonne idée. Là, je regarde André, mon chum. Je dis, ouais, ben, je pense qu'on va dire qu'on en fait un. Puis la semaine prochaine, on dira que la cassette a pété. Puis on n'en fera pas. OK? Écoute, ça n'a aucun bon sens. Il faisait tellement chaud. Là, on a commencé. Là, je me rends compte que ça n'a aucun rapport. On partait la pièce de musique. On partait à la toune sur le disque. Puis tu voyais le monde. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Puis là, je me rends compte que... Tu te rends compte, là, que ça n'a pas d'allure, ce que je pensais, que ça se fait pas de même, que voyons donc. Là, je demande à Annick, une amie, puis Julie, je dis, vous allez écrire les paroles vite sur des cartons, puis on va lui montrer, on va lire, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais là, il y a des autres qui étaient nerveuses, on voyait pas dans un bar, il y a plein de lumières qui bougent, une boule miroir, écrit avec ça, toi. Mané, le cœur te lève, tu prends une gravole, ouh! Elle retourne écrire les paroles, mais évidemment, elle écrivait vite. On arrive avec les cartons, il lisait les cartons, mais il manquait 3-4 lignes. Là, il lisait, puis là, je m'ostinais avec le gars. Je dis, hey, il manque une ligne. Ben oui, mais pas sa feuille. Ben oui, pas sa feuille. On l'a tout copié. Il manque une ligne. Au bout de 3 fois, il l'avait jamais. Du coup, on va aller voir, c'est le carton. Ben oui, mais il manque une ligne. C'est sûr que t'as de la misère. Écoute, toute la soirée de même, à un moment donné, tranquillement, on a réussi. Puis il y en a un qui était le fun, il s'appelait François. Il travaillait au vieux Shack à Saint-Jérôme, François. Il vient me voir, ben. Hey, il dit, ta toune, moi, j'ai trippé au bout. Il dit, les paroles, il dit, Colin. Il dit, c'est vraiment des affaires qu'on pense toutes. Hein. Il dit, ça, là, qu'on t'aime, qu'on t'aime pas, qu'on s'astine ou pas. Il dit, Colin, qu'on pense tout ça, c'est sûr. Puis il dit, ta dernière ligne, là, pourquoi tu dis pas juste que tu t'aimes pas? Hey, il dit, ça, c'est moi, maudit. Moi, je m'haïs, puis tu créeras pas ça. Ah, on peut en parler. Ça fait drôle, le gars il disait ça bien clair. Il dit, moi je m'haïs, puis j'en ai pété des running pour rien, puis j'en ai pété des crises. Oui, monsieur. Ben là, moi je lui ai dit, c'est pour ça que je l'ai écrit, moi aussi je suis le même. Moi aussi, il y a bien des affaires que j'haïs de moi. Puis c'est pour... Tu sais, là, quand tu piques des crises pour rien, hein, ça arrive à du monde, là. T'es avec ton ami à la maison, avec. Pour rien, là. Tu sais, une connerie, tu fais rien qu'ouvrir une canne avec un opener, là. Voyons. Là, tu fais rien que le banquer, où il tourne dans le vide, puis il y a ça qui rouvre. Là, tu prends juste le bord fou, puis là, ça saigne. Là, ton ami est là, ou il y a quelqu'un, puis là, quelqu'un qui te connaît, tu vois ça monter, hein. Tu tiens l'opener, puis il souffle au bout, c'est parce que. Là, tu veux te calmer, là, tu regardes, là, bouge, là. Là, tout te revole dans les airs complètement. Là, tu y penses après. Mais si tu es vraiment choqué après une canne de poids, hein? Je me suis choqué après une canne de poids. Puis là, c'est rien, là, le bal est parti, hein. Là, tu piches la canne de bois dans la poubelle. Pas grave, je vais manger d'autres choses. Pogne le frigidaire à côte sans porte. Comment ça fait que c'est là? Ça y est plus bon. Pif à terre. Bonne viande froide avec le taux dur. Excellent. Du bon fromage de même. Ah, ça, là, écoute. Poule moutarde avec une peau, là. Un bon jello que tu sortes dedans, tu rentres pas, là. Ça, c'est excellent. Là.
Ah là, tu piques les nerfs, toi, tu revoles. Ça, c'est. Là, tu sors dehors, tu embarques dans l'auto, là, puis là, ça niaise. C'est que le démarrage à distance, on a tout ça, c'est heure, presque, là. On est là à peu près, il fait froid encore de ce temps-là, il y a de la neige. Tu le pars, hein? Là, tu as un petit. Là, tu t'avances, hein, tu t'avances. Puis ça arrive pour le vin, hein, t'es rendu à côté de l'auto. Tu rentres, tu t'assois, t'as le volant là. Hey, c'est pratique, je vais pas être obligé de m'étirer le bras. Que c'est énervant. Pas vraiment là, je m'en allais, mais mon Dieu Seigneur, Franco, tu vas me permettre une petite. Je reviens, Franco. Pourquoi je dis juste Franco? Il y a Marie qui m'écoute, il y a Nathalie. J'ai les partis en voyage, par exemple. Bonsoir. Donc, on continue. Là, je m'en allais plus dans le vieux shack, dans notre clip. Finalement, on a réussi là, à filmer ça, là, tant bien que mal. Puis lui, là, remarquez bien, parce qu'on va vous le montrer. On l'a fait. Allez, en venant, on est arrivé après 3 heures. On va dans un studio, là, qui un gars que je connais, Multivette. Je rentre là. J'avais toute la misère avec son mot. Multivette, tout ce que c'est. Rentre là. Je donne ça des mains. C'est un gars que je connais pas depuis longtemps. Je dis, il y a juste toi qui peux nous faire ça. Tu as 7 nuits pour le faire. Hein? Puis il me demande, c'est quoi? Tu verras. Regarde les images, montre ça ensemble. Non, on a fait un petit clip. On a essayé de faire ça sur la pièce de musique, vite ton sac. Ça. Il nous l'a monté. Le lendemain, il nous appelle. Il dit, hey, c'est fait. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Mais ben, Colin, on est resté surpris. Écoutez, là, on s'entend, là. C'est clair, là. C'est pas une vidéo de la qualité des vidéos qu'on voit à Musique Plus, OK? Là, c'est clair, là, on l'a fait en 2 heures, monté en 3 heures la nuit. Mais comme je vous disais, même si ça compte pas, maudit qu'on a eu du fun à le faire à Saint-Jérôme. Puis juste la fierté de le voir, que tu as réussi à le faire, c'est le fun. C'est comme si t'es pas peintre, puis tu réussis à te faire une petite toile tout croche, t'es content pareil. On a-tu le droit d'être content? Maudit que c'était le fun pareil. Comment je dis que tu Je me demande, hein? Colin, oh! J'ai eu peur pour le vrai! Hey, mais tu vois comment c'est niaiseux! J'ai eu peur pour le vrai! De quoi? Pourquoi j'ai eu peur? Comme si un rhinocéros s'en venait! Ah! J'ai eu peur pour le vrai! Voyons donc, c'est-tu innocent, pareil? J'ai fait le saut! Tu peux bien rire! Mais ça me dit! Tu sais, tout le monde aurait pas crié plus que ça, il y aurait un rhinocéros qui s'en venait à full pin. Le monde va juste, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là, le rhinocéros? Il va rentrer dans Jean-Marc, dites-lui quelqu'un. Avec sa corne, il vient respirer juste ici. Parle-moi, là, non, mais tu sais, des chiens de garde, de toute façon, aujourd'hui, c'est bon, rien. Rhinocéros dans la porte chez vous, là. Tu vois-tu le voleur arriver, gossant après la poignée, voyons? Puis il entend juste. Et là, ouais, tu sais, comme un petit gosse après la clé, là. Il fait juste se retourner. Il arrive, le petit œil à la même place que le sien, là. Ça. Hey, il me semble l'air qu'il doit faire, le gars. Ah! Tu sais, comment c'est chépé, ça, monsieur? Et puis quand ça fait belle, la corne, il arrive à hauteur de la dalle, là, il est la corne d'un feuille. Là. Pedro! Qu'est-ce que tu fais? Hey, Pedro, arrête ça! On dirait qu'on est dans un show de Capitaine Bonhomme, arrête ça! Attends, ben ouais, tout ce qu'on est rendu, là, je Franco, marque pas que j'étais un rhinocéros, c'est pas ça. J'ai fait semblant qu'il y en avait un avec une corne. C'est-tu un ou une rhinocéros? Une rhinocéros? Ils me répondent un, je pense que c'est un, hein? Franco, un rhinocéros. Ah, c'est le, ça veut dire que c'est masculin. Hey, là, on y est, quand même une rhinocéros, faudrait que t'aies le goût en maudit, hein? Vraiment, là. Oh, la belle rhinocéros que j'ai vue là-bas! Viens-t'en, ma belle popoune. Ah, tu sais, comme les caniches qui jappent, là, puis ils lèvent ses pattes, avec le son, là, tellement beau, ces petits chiens-là, hein. Wouh, 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 wouh
Imagine-toi un rhinocéros qui lève les airs. Un rhinocéros qui jappe, puis il lève les airs. Chaque fois qu'il tombe à terre, là, vous, toi, tu changes de place dans la maison. C'est beau. Ah, ça doit être drôle. T'as promené dans le parc avec ton rhinocéros. C'est qu'une petite laisse. Le gars, il vient de voir avec son gros Doberman. Tu as vu mon chien? Ouais, que là, pas trop, parce que lui, il te bouffe. La main. Pedro! Arrête! Pedro, m'a te confisquer ton clavier. OK. Non, on retourne au vieux chac à Saint-Jérôme. Donc, écoutez, on a réussi à faire un clip. Je vous le montre. On est bien contents, pareil. C'est sur Vite ton sac. La gang de Saint-Jérôme, tenez-vous bien, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'était la folie des releases, parce qu'on est obligé de faire signer un release, parce que tout à coup, que la personne qui se voit, « Hey, je veux pas! Je veux 1 million à la place! » Ouais, c'est fatigant. Fait que là, une vidéo en 2 heures qu'on a fait, qu'on est content. Peut-être que Musique Plus vont le passer, on ne sait jamais. Je sais que Vincent m'a promis de quoi, Vincent? Je sais que tu m'écoutes. Parce que Vincent avait peur, hein? Il m'a appelé hier. Il dit, « C'est quoi ton affaire de journaliste, là? » Je dis, « C'est rien, c'est des amis. » Je les ai invités à la maison. Ils viennent pas. Pas grave. Non, non, il avait peur. T'sais, il disait, tu parleras pas de ça toute l'émission. Non, 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 non. Moi, juste dire qu'ils n'ont pas pu venir, puis c'est tout. Fait que Vincent, il m'a promis de quoi? Que si on faisait notre petit clip pour notre fun à nous autres, il nous le présenterait à chaque ouverture du poste et à chaque fermeture du poste. Le poste rouvre le matin à quoi? 11h, je crois? 10h30, ils vont passer notre clip, puis quand le poste ferme, ils vont passer notre clip. Fait que... C'est quand même le fun! Non, mais c'est vrai! Souvent, là, ça n'a quand même pas la qualité pour aller à Musique Plus, tu sais, faut être honnête, là, ça n'a pas cette qualité-là. Peut-être que Musique Plus vont nous donner un petit coup de main, puis ils vont le passer, mais c'est pas la qualité de ça. Mais, tu veux le voir, Eric? Ça sera pas long. On m'a fini de parler de ça tranquillement. Oublie pas que j'ai décidé que la semaine passée, on revenait comme l'année passée, hein? Fais pas mal ce que je veux, quand ça me tente. Pas d'annonce, mais non, c'est pas vrai, Vincent, ce n'est pas vrai. Oui, oui, on revient un peu... Donc, on va le présenter, notre petit clip, OK? On présente notre clip, on vous revient après la pause, puis après la pause, je vais vous parler de nos amis, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté, pourquoi il n'y avait pas le goût de venir, puis tout ça. Puis ça a bien d'allure, dans le fond. Donc, on part avec notre clip maison qu'on a fait cette semaine, dimanche passé. Je m'enlève devant l'écran. Parle-moi ça, mon Chico. On s'en va tout de suite après la pause commerciale. On a donc de la misère à dire les vraies affaires, hein? Au lieu de lui dire que t'es mélangé, qu'il faut que tu réfléchisses, que t'as besoin de temps pour toi, dis donc que tu l'aimes plus. C'est ça la vraie raison. Pourquoi tu dis pas juste que tu veux être à sa place, que t'es jaloux, c'est tout? Tu seras pas obligé de dire on sait bien, son père est né avant lui. Tu seras pas obligé de dire c'est sûr qu'il réussit, c'est un voleur qui vend de la drogue. Ben non, t'as juste à dire que t'es jaloux, c'est tout, y'a rien là, tu sais. On est tous un peu jaloux. Pourquoi tu dis pas juste qu'elle est belle? Tu serais pas obligé de dire qu'elle est épaisse. Tu serais pas obligé de dire « Oui, mais elle s'est faite refaire les seins. » Tu n'es même pas une vraie blonde. Puis avant de te sentir regarder comme faux, elle a l'air d'une vraie pitoune. Ben non, t'as juste à dire qu'elle est belle. C'est tout. Pourquoi tu dis pas juste que t'as oublié de l'appeler? Tu serais pas obligé de dire « Oui, mais il y avait pas de téléphone où j'étais. J'ai jamais eu ton message. T'avais-tu le bon numéro? Oh, je suis bien, bien occupé de ce temps-là. » ben non! T'as juste à dire que t'as complètement oublié pis que ça tentait pas de l'appeler. Voir qu'on est tous pareils.
pas juste. Tu vas être in. Tu seras pas obligé de dire qu'aller en Floride, c'est quétaine, que la musique country, c'est colon. Ou encore que t'achètes les journaux à potin juste pour rire. Ben non, t'as juste à dire qu'aux yeux des autres, tu veux avoir l'air in. C'est ça la vraie raison. Pourquoi tu dis pas juste que t'es cheap? Au lieu de dire que tu prêtes pas ton auto parce qu'elle est pas assurée des deux bords. Au lieu de dire que le guichet automatique est brisé quand c'est à ton tour de payer la traite. Ou encore de prendre l'idée d'un autre en disant que c'est la tienne et que ça faisait longtemps que tu y avais pensé. Dis-le donc, t'es cheap. Pourquoi tu dis pas juste que tu t'aimes pas? Tu seras pas obligé de donner des coups de poing dans le mur. Tu seras pas obligé d'en vouloir au monde entier. Tu seras pas obligé de piquer une crise disproportionnée parce que tes souliers s'attachent mal. Dis donc juste que t'as de la misère à t'aimer. On est de retour. Bon, c'est un petit peu délicat. Pas si franco, tu es allé chercher des liqueurs, un petit verre d'eau. Tu dois être santé, toi, je pense. De la salade, en tout cas, quelque chose de même. Là, je me demande où c'est que je m'en vais avec ça. Hein? C'est très délicat. Là, j'y ai pensé toute la semaine, les amis. Puis, je suis content parce que je vous avais bien dit la semaine passée, mais écoute, je décide de rien. Là. Je vous avais fait demandé une faveur. Je vous avais dit, répondez-moi pas dans les journaux, parce que c'est sûr que ça donne à rien. Vous avez tous bien compris, vous m'avez tous répondu dans les journaux. écoute, on commence. Ça vous tente-tu? Voulez-vous, je vais vous... Pour être honnête avec ces gens-là qui nous écoutent et vous autres à la maison qui, je pense, voulez savoir pourquoi ils viennent pas, je vais vous lire ce qu'ils nous ont répondu cette semaine, parce qu'il y a plein de gens à travers la province qui ne reçoivent pas le Journal de Montréal ou la presse ou l'autre Journal de Montréal, c'est-à-dire que c'est le même, c'est parce que les deux écrivent dans le même. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont répondu. C'est correct, ça? C'est dur de demander à la télévision, Franco, parle-moi d'une réponse. Il a pris son tiers de page au complet pour nous répondre. Écoute, je vais le lire. Il y a un cigare de même là. C'est non! Là, je sais pas, je vais mettre le bon ton, là. Je vais répondre, pas tellement parce que j'en ai envie. Ah, là, ça ne tente pas. Ça y a tenté toute l'année, mais pas là. Mais parce qu'on me pose beaucoup la question. On me la pose depuis lundi matin, au téléphone, par fax, au bureau, dans la rue, chez le boucher, à l'école de ma fille, partout! On me la pose. Partout la même petite phrase remplie de sous-entendus, porteuse de curiosité, une d'exaltation presque malsaine. Puis, y vas-tu?
Je me sens comme un gladiateur invité à descendre dans l'arène pour y affronter le lion. Ce qui m'emmerde, c'est pas l'arène, c'est pas le lion non plus. Vous pensez, moi, le lion ici, là? C'est l'homme, les yeux injectés de sang, qui excite à l'idée d'assister à un combat sanglant. Là, par exemple, on va tout de suite mettre ça clair. Je veux pas de combat, moi, je voulais juste poser une question. Pas me battre avec personne, là. Eh bien, il n'y en aura pas de combat. Ben non, tu vois, je viens de le dire, j'en voulais pas. Il n'y en aura pas de gladiateur, il n'y aura même pas de rencontre, il n'y aura que le lion tout seul qui courra après sa queue. Yeah. Yeah. Hey! Franco, t'as raison, écris-moi-en un par semaine, c'est le fun. OK, on continue. C'est vrai qu'il écrit bien, par exemple, ça je l'ai toujours dit. Donc, si vous êtes de ceux qui se demandent si je ramasserai le gant que m'a lancé à la figure Jean-Marc Parent, si je relèverai le défi, si j'accepterai son invitation à me rendre à son émission, c'est non. Et je me fous complètement de ce que peut penser celui qui, dans ma boîte vocale, m'a traité de « chicken ». Celui qui l'a traité de « chicken », là, il s'en fout. Si on en croit ses propos de dimanche dernier, cette main tendue à moi et à d'autres journalistes se veut amicale, curieuse de qui nous sommes, de ce qu'on fait et des raisons qui nous pousse à le faire. Oui, c'est ça. À l'écouter, Jean-Marc, comme Jeannette, veut savoir. Son public veut savoir. Je ne parlerai pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, s'il veut vraiment savoir, c'est facile, il n'a qu'à ouvrir le journal. J'y suis presque tous les jours en page 6. Et si je n'y dis pas tout, j'en dis beaucoup, avec suffisamment d'impudeur, en tout cas, pour qu'on devine qui je suis et ce que je pense. Quant à ceux qui en veulent plus, il y a toujours le téléphone. Je suis comme Gaston. Quand ils sont, j'y réponds. Mais, ouais, c'est ça. Non, ça, tout ça, c'est très bien à date, là. Sauf que justement, dans le journal, on n'a aucune idée t'es qui, là, tu sais. Maintenant, permettez-moi de vous dire le plus sérieusement du monde pourquoi je n'irai pas à leur JMP. Je n'irai pas parce que je n'en ai pas envie, parce que je choisis les émissions auxquelles je participe. Oui, t'as fait ça, c'est cassé, t'es fait mal. Puis, avec, parce que je n'aime pas cette heure de variété variable que je n'ai pas beaucoup de respect pour ces concepteurs ni pour ceux qui, semaine après semaine, la ficellent. Je n'irai pas en dépit des formulations mielleuses de Jean-Marc. Je n'irai pas parce que je suis journaliste, chroniqueur et que lui est amuseur public, voire humoriste. Que mon boulot, c'est d'écrire, de commenter et que le sien, c'est de faire le bouffon, de rire et de divertir. Et v'là, mon Jean-Marc, dans les dents. Je n'irai pas parce que je n'ai rien à faire là. Que ce n'est pas ma place et que je ne servirai pas de faire-valoir. Je n'irai pas parce qu'il serait aussi ridicule pour moi de jouer le pitre à leur JMP que pour Bertrand Raymond et Yvon Penneau de descendre sur la glace dans l'uniforme du Canadien pour plaire à Mario Lemieux. Ça, c'est répondu. Je suis bouche bée. Je n'irai pas parce que, comme le disait M. Séguin à sa chèvre, de mieux en mieux, pendant qu'elle lui léchait les pieds, à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Yeah! C'est bon, c'est très, très, très bon. Je n'irai pas parce que céder à la provocation par vanité, puisqu'il ne s'agirait que de vanité, ne ferait qu'alimenter cette confusion des gens que je déplore tant au petit écran que dans leur JMP, comme bien d'autres se complaient. Je n'irai pas parce... Tu te complais pas du tout? T'as pas lu le journal au complet? OK? Je n'irai pas parce que je réprouve cette façon qu'a Jean-Marc Parent de manipuler son public, de jongler insidieusement sous des apparences ludiques avec son pouvoir. Arrêtez de parler de pouvoir, vous en avez un, puis vous ne l'utilisez pas à peu près. Je n'irai pas parce qu'en y allant, en répondant à son appel, je céderai à mon tour au manipulateur. Dimanche prochain, à soir, je garderai les vaches. Ça veut dire que tu es avec des vaches, là? OK. Mais non, mais c'est lui qui a dit ça, là. Par contre... Par contre, Franco, il était super... Franco, j'ai parlé au téléphone lundi, puis on s'est parlé, puis tout ça, puis c'est ça. Il m'a dit qu'il m'haïssait, puis c'était bien le fun. Puis, il m'invite ailleurs. Il veut que demain matin, je vais aller à Christiane Charette à 10h30, puis je te retrouverai pas une page. Là, je vais y aller, Franco, avec toi, on va jaser. Hey, mais je veux pas de combat, hein, on s'entend, Franco. Je veux juste te poser une question, c'est tout. J'ai pas le goût d'un affrontement. Je devrais comprendre. Nathalie, faut-tu aller à une pause, là? Oui, on va y aller bientôt. Nathalie Petrovski. La jolie, la belle dame. Merci, mais non merci. Si jamais vous rencontrez Jean-Marc Parent ce week-end, dites-lui donc que je ne pourrai malheureusement pas participer à la dernière émission à TQS. Je vais aller trop vite à cause de la pause. Je peux même vous souffler la raison. Je ne suis pas folle. Première raison. B. Je n'ai pas besoin de publicité à ce point-là. C. Il n'a pas besoin de moi pour faire monter sa cote d'écoute. D. Il va profiter d'une panne de courant pour me donner un bec. E. Il va profiter de la même panne pour me donner un coup de couteau dans le dos. Ça, c'est dégueulasse. Je ferai jamais ça. Un bec, peut-être. Au bout d'une branche. F, je n'ai pas de robe à me mettre.
Je suis en dehors du pays comme Gilles Proulx. Excellent. Parle-moi de ça. C'est solide. OK. Marie. Belle Marie. Oh, belle Marie. Marie travaille au même journal que Franco. D'ailleurs, quand on écrit, on se demande si c'est pas Franco qui écrit les deux articles. Ça se ressemble beaucoup. Non, mais c'est vrai, ils se ressemblent beaucoup, les articles. Réponse à Jean-Marc. Qu'est-ce qui se passe, mon Jean-Marc? Tes codes d'écoute sont à la baisse? T'as besoin de publicité? Dire que toi et ton gérant m'accusiez dans mon journal de me faire du capital sur ton dos, j'ai bien l'impression que c'est toi qui cherches à mousser ton émission, Jean-Marc. En passant, je n'irai pas te voir sur ton plateau demain. Comme tu l'as si bien dit dimanche dernier, j'ai changé de voix, j'ai sauté la barrière, j'ai décidé de commenter la télé. Oui, on le sait, on se rappelle de toutes les popées. Que de le faire et je dois être conséquente dans mon choix. Alors, mon Jean-Marc, ne me demande pas d'aller à ton émission. Tu devrais comprendre ma décision au lieu de tenter de me provoquer bêtement sur les ondes de ta télévision. Tu m'as également demandé de ne pas te répondre par la bouche du Journal de Montréal. Bien voilà, c'est comme ça que je m'exprime maintenant. Faudra t'y habituer. Mais malgré tout ça, là, malgré tout, c'est vrai que c'est bien écrit. Écoute, surtout les deux Franco, là, ils écrivent super bien. Puis, Nathalie... C'est très bien écrit. Écoute, on peut quand même pas dire que c'est pas bien écrit. Là, je veux dire, on aimerait ça écrire demain. Mais au bout de la ligne, vous êtes pas là. Écoute, on vient tout de suite après la pause commerciale, puis je vais vous demander au moins la question que je voulais vous demander. Mais je voulais vraiment pas de débat. Nathalie, tu m'as fait rire. C'était doux quand même. C'était le fun. On vient tout de suite après la pause commerciale. Reg, parle-moi ça. Puis là, je vais vous demander, moi, ce que je voulais savoir. Vraiment pas un combat. Là, évidemment, j'ai pris trop de temps avec les critiques, les journalistes et tout. Il faut faire comme on a fait l'autre fois, mais c'est aussi le fun, hein? Dès que c'est pas pareil, on dirait que c'est plaisant. Il faut repartir une pause commerciale dans 20 secondes pour pouvoir revenir tout de suite, pour pouvoir parler un petit peu plus longtemps. Donc, je vous reviens tout de suite après, puis on va continuer un peu avec nos amis à la maison. Puis je vais te poser pour le vrai à la maison, c'est quoi les vraies questions, moi, que je veux savoir, tout simplement. On se revoit tout de suite après cette pause-là. OK, bon, on continue. Il y a une tonne de fax qui rentrent et d'appels. Il y a d'autres gens du milieu aussi qui sont contents et disent que je rouvre une porte. Il y en a plein d'autres qui vont, quand ils vont se faire ramasser, ils vont décider eux autres aussi de jaser avec eux autres. Parce qu'avant, c'est comme une loi non écrite qu'on n'a pas le droit. Ça fait 2 ans que j'avais une boule en dedans. On n'a pas le droit de répondre. On n'a pas le droit de rien dire. Puis dans le fond, cette loi-là est un peu niaiseuse. T'sais, je veux dire, faut pas relancer le même débat, mais on a le droit quand même de se poser des questions, tout simplement. Puis je suis pas tout seul, il y en a plein d'autres. La question que je vous pose, les amis, moi, ce que je voulais savoir, là, tout ça, pourquoi je vous invitais, là, c'est parce que ça fait quand même un an et demi que ça y allait solide. C'est pas la critique. La critique, on le sait tout, ça, je l'ai dit souvent, puis tout le monde. La critique pure et dure, elle s'accepte très bien. Je dis, comme Franco, quand j'ai parlé au téléphone, il me l'a dit. Il dit, quand tu écrivais des numéros, j'aimais ça. Il dit, là, j'aime plus ça, tant de gens que ça a pris. Il dit, j'aime pas ça quand tu improvises, tu vas un peu n'importe où. Je dis, mon Dieu. Je dis, pourquoi tu l'as pas écrit? Ça, je comprends. C'est ça. Ce que je me pose comme question, c'est où on prend le droit d'aller au-dessus de la critique, en haut, là. T'as critiqué, t'as bien cerné ton problème, t'as bien décrit la pièce de théâtre, le disque, n'importe quoi, là. Tu l'as bien décrit ce que t'aimais pas, pourquoi ça c'est correct.
en haut de ça, là, quand tu t'attaques personnellement, il est comme ci, il est comme ça. Moi, dans mon cas, c'était gros, boutonneux, laid, niaiseux. Le monde qui l'écoute, c'est des sous-doués, des mangeux de chips. Des... Tout ça. Pourquoi ça, là? Comment ça se fait qu'on se donne ce droit-là d'aller là? C'est ça que je me posais. Puis, je me dis, OK, l'autre question que je me posais, tu as toute la nuit, Franco, pour me répondre demain. Je veux savoir aussi, en dedans, ça doit te faire de quoi? Quand tu dis dans ta tête, c'est sûr que ça y fait mal, je le sais si je le traite de gros pignet, c'est sûr que ça y fait mal. Tu l'écris pareil. Tu dis ça y fait mal, puis yeah, il mérite rien que ça. C'est ça que tu dis, c'est ça que je veux savoir. C'est ces questions-là. Ou toujours, tu sais, nous autres, on n'a pas le droit, un journaliste, on n'a pas le droit. Pourtant, tout ce que vous voulez savoir sur nous autres, les petits détails, puis vous aimeriez donc ça, quelque chose de croquant. Hein? L'année passée, quand je t'ai accusé d'une orgie avec je sais pas combien, là, tout le monde voulait le savoir, puis inventé ou pas, je te dis que ça aurait fait plaisir. Pourquoi cette haine-là, tout le temps, méchant, partout? Ça, oh, une autre question. Hey, je suis parti. Hein. Ça se peut-tu? Là, c'est des vraies questions que je vous demande. Là, pour le vrai, là, je niaise pas. Tu vois, vous n'êtes pas là. C'est pas pour les codes d'écoute, c'est pour le savoir. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, je ne suis pas journaliste. Là, est-ce que c'est nécessaire d'aller toujours vers quelque chose de négatif ou on peut aussi bien se faire une carrière forte, un nom solide en encourageant quelqu'un au lieu de toujours... Parce que ça se peut pas que ça soit tout mauvais quand même. Je veux bien en prendre. Là, mais il doit y avoir un bout que je fais qui est correct. Tu sais, si vraiment c'était sincère, tu te dis, hey, ça, c'est pas bon, mais franchement, Jean-Marc, si tu t'en allais vers là, ou Jean-Marc ou n'importe qui d'autre, ça pourrait t'aider, mais il n'y a personne qui veut t'aider, il veut juste que tu disparaisses. C'est plus ou moins constructif. Toutes ces questions-là que je voudrais savoir, puis demain, on va s'en parler, nous autres, toi et moi, Franco, on va s'en parler. Là, je fais des signes avec mes running, là, ça, c'est pour les sous-muets. Ou, je me demandais, c'est peut-être le patron qui veut ça. Peut-être le patron vous dit, il faut que vous écriviez ça. Je sais que Nathalie avait répondu à Shabada, assez franchement, elle avait dit, si je dis des choses bien de Jean-Marc, il n'y a personne qui va me lire. Si je crache dessus, ils vont me lire. Bon, ça, c'est franc au moins. Si c'est ça, je vais le savoir, puis on va comprendre. Mais là, on n'en parle plus. Là, je ne reviendrai pas toute l'année là-dessus. Je voulais le savoir. Ça enlève quand même, ça enlève quelque chose. Puis, c'est important de savoir aussi que nous autres, si on... Tout le monde ici qui nous écoute, vous, on a toute la même méchanceté en dedans. Moi aussi, j'en ai en dedans. Moi aussi, je pourrais ramasser tout le monde. Vous prenez un médium qui est les radios, les TV. Moi aussi, j'ai une TV, je pourrais me mettre à déblatérer sur plein de monde, mais ça ne donne rien, vous n'êtes pas là. Si vous autres, quand même, tu remplis le journal, si tu n'es pas là pour répondre, c'est facile, tu peux remplir le journal au complet. C'est juste ça que je voulais savoir. Ah, il y a tout le monde... Oui, Marc? Oui, vas-y, vas-y. Il y a des gens qui demandent, est-ce que tu crois que ces gens-là, il n'y a pas une certaine partie de jalousie là-dedans? Ouais, il y a Pierre de Montréal qui... il y en a trois, en fait. Il y a Pierre de Montréal qui se demande, ont-ils des amis? Oui, oui, les amis, moi, je sais qu'entre eux autres, ils se lisent beaucoup. C'est quand même de la performance qu'ils font. Et ils regardent, as-tu vu que j'ai dit sur lui, t'as bien fait, j'espère que t'as pas manqué. Je le sais, parce qu'on connaît du monde qui connaît ces gens-là, qui nous connaissent, puis tu sais, et vice-versa, fait qu'on connaît des choses. La jalousie, j'ai de la misère avec ça, moi. Ils peuvent pas être jaloux de quelqu'un qui décrive de même, ça n'a pas d'allure. Ils veulent pas être comme moi, ça se peut pas. Il y en a une dernière. Ah. OK, vas-y. Pourquoi les critiques crachent sur ceux qui réussissent? Peut-être parler un petit peu de ça, c'est Robin de Villassange. Ah, je le sais pas. Peut-être parce que, tu sais, quand c'est différent, on a de la misère. C'est le même principe que quand on parle des sujets de racisme, des adolescents, de n'importe quoi. Dès que c'est différent, on a de la misère. C'est un peu ça, je pense, parce que je raconte d'une façon différente. N'importe qui d'autre ferait la même chose que moi, raconterait le même genre d'anecdote, puis peut-être qu'il trouverait ça bien bon. Je pense, moi, personnellement, c'est peut-être une affaire personnelle. Il ne m'aime pas en face, puis je le tape ses nerfs, puis ça arrête là, peut-être. Ou ma façon de raconter. Il y en a beaucoup qui me disent, ça se peut pas que tu sois de bonne humeur de même pour le vrai. Fait qu'ils pensent que c'est pas vrai, que c'est pas vrai que je suis de même. Fait comme là, je joue la game, c'est pas vrai. Ça se peut. Mais ça, je le sais. Hey, moi aussi, il y en a du monde qui m'énerve. Moi aussi, je pourrais prendre bien du temps pour y aller méchamment, mais je veux pas. Je peux tout ramasser ce monde-là physiquement, puis il serait moins beau quand je vais avoir fini de les décrire, moi aussi. On peut tout faire ça. Tout le monde peut faire ça. Ah, il y en a un autre qui me demande à Piment Fort aussi, ils vont pas de main morte. Ça, par exemple, je dois avouer que j'ai plus de misère. C'est du monde. Tu te plantes entre monde qui font la même affaire, mais. L'émission est bonne, je suis obligé de le dire. Moi, 70% des gags sur moi, j'ai ri. Il y a 30% encore une fois qui vont trop loin. Mais ça, ils nous ont répondu aussi. Ils nous ont dit, les deux gars qui écrivent les textes à Piment Fort, qui aident à écrire avec les autres humoristes, là, Serge Grenier et Jean-Pierre Plante, c'est eux autres qui dirigent un peu qui on plante, qui on fait, tout ça. Puis ils nous l'ont dit. Ils ont dit, écoutez, c'est ça notre niveau d'humour à nous autres. C'est ça, on n'est pas pour aller l'expliquer. Ils ont un peu raison. Je suis obligé de l'avouer, ils ont un peu raison. Donc, écoutez...
On finit avec ça. On va peut-être revenir, dépendant, je ne sais pas. Là, on verra. Je sais qu'avec Franco, on se voit demain matin. Mon Dieu, j'ai l'air de quelqu'un qui fait une émission du matin. Fait que ça a bien été aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de circulation. Fait qu'on s'en voit demain matin. Après la pause, on parle des problèmes économiques. Moi, quand j'ai le goût du... Et c'est vrai, la semaine passée. Or, en passant, il y a quelqu'un qui m'a corrigé tantôt en lisant l'article de Franco. Je lisais trop vite. Un peu de nervosité, puis la dépêché. J'ai dit Mario Lemieux au lieu de Mario Tremblay. C'est ça, hein, l'exemple de Franco. C'est Mario Tremblay. Pour quand même, c'est pas le même bonhomme. La semaine passée, on annonçait un show à la chandelle partout à travers la province. Des tout petits shows qu'on changeait complètement dans des salles régulières. Là, 800 personnes, 1000, 500. On va être très proches. Merci beaucoup, c'est pratiquement vendu partout. C'est bien excitant, on va passer un automne. Tu sais, quand il fait pas beau dehors, on se ramasse avec des petites chandelles, le smooth, ça va être bien le fun. Il y a des places, par exemple, ils ont dit à Québec, tu nous as même pas dit où ce que c'était. Albert Rousseau. La salle à Québec, les gens de Québec, c'est Albert Rousseau. C'est là que j'ai battu tous mes petits records personnels à moi, là. Les 9 heures d'impro, la pizza, le clown est né là, c'est la salle Albert Rousseau. On a hâte d'y retourner. Il y a des villes qui se sont rajoutées. Il y a plein de monde qui appelle des nouvelles villes. Là. L'Épiphanie veut rentrer le 26 octobre. Ils vont rentrer dans ça. Il y a aussi beaucoup de questions par rapport à ce show-là. Pardon? Chibougamau, ça n'a pas rentré encore? Faites que ça rentre. Mais j'aimerais ça y aller à Chibougamau. Ben Lévis, c'est Québec, ça. C'est tout près, là. Tu peux prendre un avion, puis t'es tout rendu. Non, mais c'est tout prêt. Il y a beaucoup de monde qui me demande aussi, « Ouais, mais quand tu vas faire le show à chandelle, où va être mon Mercedes-Benz? » Les Mercedes-Benz sont en tournée, eux autres aussi. Ils partent en tournée, eux autres. On fait chacune tournée comme ça, puis ils vont préparer leur premier album à eux autres, plus de JMP, là, leur album du Mercedes-Benz. Mais, par exemple, on revient ensemble l'année prochaine. On a des idées, là, qui s'en viennent. Il faut que je parle avec le Vincent, justement. On a des idées qui s'en viennent, on ne sait pas, mais c'est pas avant un an. Fait que, reposez-vous de ma tête, là. C'est pas avant un an, mais on revient ensemble. C'est comme certain, on a tellement de fun, on a tellement trippé. Mais là, ils vont partir le disque. Avec le Mercedes, je pense qu'il a hâte de mettre son sigle de sa pochette. On va se croiser au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va être là ensemble. On va faire un show ensemble. Il y en a d'autres, une coupe ensemble. Là. Puis après ça, on se repogne et on pense à des choses qui s'en viennent. Il y a eu une demande spéciale. Ça n'est un autre des raisons pourquoi les journalistes me rentrent dedans un peu, que je suis donc têtu puis que c'est donc pas vrai que je pense que je dis. Mais il y en est arrivé une cette semaine, tout le monde a sauté. Quand on a vu dans le Journal de Montréal la roche qui est tombée sur une voiture, on fait comme tabarouette, ben voyons donc, c'est quand. Ah, il y en a souvent, mais là, on dirait que c'est pas nécessaire. Ben, son mari à ce gars-là, il est venu après-midi ici à TQS, puis il braillait, puis il était écrasé. Puis il nous a amené une lettre. Ah, oh, je l'ai pas. En tout cas, il nous a amené une lettre, là, puis c'est sa femme. Cette fille-là. Jean-Marc, j'ai une énorme faveur à te demander. J'aimerais que ton band joue la chanson et chante Laisse-moi t'aimer à la mémoire de ma fiancée, Cynthia, qui est décédée mercredi dernier des suites d'une roche lancée par un crétin dans le tunnel Ville-Marie. Cynthia t'aimait vraiment beaucoup
et cela lui ferait vraiment plaisir. Merci mille fois, Jean-Marc, à son fiancé. C'est ce genre d'affaire-là, têteux ou pas, là. On a tellement trouvé ça horrible, tout le monde. Reg, c'est notre tune qu'on a aimé, puis je ne sais pas quoi dire, j'ai passé par là souvent. Il n'y a rien à dire. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Toute une nuit, laisse-moi toute une nuit. Il y a du mordant.